Cet établissement. D'abord parce que votre présence, que nous sommes très fiers du nom prestigieux que notre école s'est choisi. Idées essentielles sur lesquelles se basent les fondements de notre éducation, les fondements de notre tâche quotidienne. Et il appartient à ceux qui l'aiment, à ceux qui le vénèrent, à ceux qui l'apprécient, et je dirais même à ceux qui l'idéalisent maintenant. Et Georges Brassens, il a quitté Sète lorsqu'il a fini ses études dans notre lycée, et il est allé à Paris, et il a dit, là, il a eu envie de faire quelque chose, c'était surtout avant tout, et il le disait lui-même, il voulait être un homme de lettres. Il inventait un mot, il dit souvent, je suis un suggéreur, je suggère. Écoutez-moi bien, je suggère les choses, dit Brassens, je façonne les mots, à vous après d'en tirer des conséquences. Et c'est vrai que si nous avons pu créer à Sète un espace Georges Brassens, c'est tout simplement parce que Georges Brassens est intemporel. Comme le dit sa compagne, vous savez que Brassens était quelqu'un de très discret, mais sa compagne Joa vit toujours et dit toujours le après Brassens. Alors, je vous le donne à vous, aux jeunes, dit Joa, que la mémoire de Brassens demeure, mais surtout qu'il reste dans le cœur des gens. Que nous souhaitons écouter. Mais que dit ce côté cœur? Une école, des enfants, beaucoup de monde, et une fête autour de Georges Brassens, lui aussi d'être là. Mais ce choix n'est pas un hasard. S'il a été fait, c'est qu'il traduit un existant. Je suis heureux de dire combien cet existant est estimable de la même façon que le choix de l'artiste qui le représente. Et puis, un artiste, un poète, quel profond signal! Il appartient à tous, sans exclusion. Obligé chaque fois que nous y grimpions tout en haut, de faire une toilette rigoureuse de toute cette résine qui nous collait à la... Et cela à cause d'une noblesse frivole, friponne, dispendieuse. Vous nous avez demandé de choisir dans quelle catégorie sociale nous aurions souhaité être, attendant bien entendu de nous le choix du tiers-état, laborieux, économe, travailleur. Nous avions répondu la noblesse. Puis nous avons grandi. Monsieur les maîtres et maîtresses et mes chers enfants, alors, vous donnez ma propre expérience de l'école, c'est quelque chose d'extrêmement émouvant. Je dois dire que Moi, je viens d'un pays où il n'y avait pas d'école. Était à 40 km. Et un jour, un missionnaire, un père blanc, est passé dans mon village. Il s'est arrêté, il nous a regardé jouer. J'avais 7 ans à cette époque-là. Je jouais avec des copains comme vous. Il s'est arrêté, il m'a demandé, est-ce que tu peux me montrer où sont tes parents? Je lui ai indiqué où étaient mes parents. Il est allé leur demander, est-ce que vous voulez bien que j'amène votre garçon à l'école? Alors, mes parents ont dit oui. Ils ont dit oui. Et ça voulait dire que je partais donc de ce village. J'étais le seul qui partait à l'école. Mes parents n'ont jamais été à l'école. J'ai deux frères plus âgés que moi qui ne savent ni lire ni écrire. Et je partais à 40 km de chez moi, arraché, à 7 ans, à mes parents. Les garçons et les filles de ma classe d'âge qui, eux, faisaient ce qui leur plaisait. Et moi, j'étais obligé de me discipliner. De mathématiques supérieures, j'ai préparé une école d'ingénieur. Et puis voilà, la vie a continué comme ça. Pour moi, donc, l'école, c'est ce qui m'a sorti de tout cela. Si je vous racontais que le prochain bachelier de mon village, de Bangéli, je l'ai vu en 1985. Qu'est-ce qu'elle démontre? Simplement une chose. Au départ, chaque homme, quelle que soit son origine sociale, quelle que soit la couleur de sa peau, a les mêmes chances. C'est à lui de savoir les travailler, les promouvoir. Pour illustrer mon propos, bien me faire comprendre, je voudrais donner lecture aux enfants et aux adultes d'un texte que Georges Brassens n'aurait sans doute pas renié et qui dit avec l'éloquence de la prose ce que le poète que nous honorons aujourd'hui a illustré par toute son œuvre. Il faut que vous appreniez à dire « moi », non par les témérités de l'indiscipline et de l'orgueil, mais par la force de la vie intérieure. Il faut que, par un surcroît d'efforts et par l'exaltation de toutes vos passions nobles, vous amassiez en votre âme des trésors inviolables. Il faut que vous vous arrachiez parfois tous les soucis extérieurs, à toutes les nécessités extérieures, aux examens de métier, à la société elle-même, pour retrouver en profondeur la pleine solitude et la pleine liberté. Il faut, lorsque vous lisez les belles pages de grands écrivains et les beaux vers des grands poètes, que vous vous pénétriez à fond, et de leur inspiration et du détail même de leur mécanisme, qu'ainsi leur beauté entre en vous par tous les sens et s'établissent dans toutes vos facultés, que leur musique divine soit en vous, qu'elle soit vous-même, qu'elle se confonde avec les pulsations les plus larges et les vibrations les plus délicates de votre être, et qu'à travers la société, quelle qu'elle soit, vous portiez toujours en vous l'accompagnement sublime des chants immortels. Il faut, lorsque vous étudiez en physicien, par l'observation et par le calcul, la subtilité et la complexité mobile des forces, que vous sentiez le prestige de l'univers, relativement stable et toujours mouvant, tremblotant et éternel, et que votre conception positive des choses s'élargisse dans le mystère et le rêve, comme ces horizons des soirs d'été où la lumière s'éteint, où l'éclair s'allume, et où l'œil même croit démêler les subtiles mutations des forces dans l'infini mystérieux. Alors, jeunes gens, vous aurez développé en vous la seule puissance qui ne passera pas, la puissance de l'âme. Alors, vous vous serez haussé au-dessus de toutes les nécessités, de toutes les fatalités et de la société elle-même, en ce qu'elle aura toujours de matériel et de brutal, quelque façon qu'elle soit aménagée, vous et jaillir dans la vieille forêt humaine l'immortelle fraîcheur des sources. C'est Jean Jaurès qui l'a écrit le 30 novembre 1892. Je vous remercie.